température environnementale ne dépasse pas les limites acceptables. Il devrait y avoir d'autres glyphes dans les parages. Bon, allons résoudre ce machin. Interface activée, pionnière. Interface validée. Bon, voilà un caveau. Remettons-le en route. Pionnière, ceci affectera votre bouclier. Les températures sont négatives. Il va falloir faire un choix. Plusieurs interfaces convergent dans cette zone. Je vous indiquerai celle dont vous avez besoin. Je me demande ce que c'est. La température ambiante est normale. Les systèmes de survie sont stables.
Restez sur vos gardes, il y en aura d'autres. Activera le champ de purification. Il serait peut-être plus sage d'explorer la zone avant. Avant que cet endroit essaie de nous tuer, tu veux dire ? Bon, préparez-vous à courir. Le voilà ! On fonce ! Toujours aussi terrifiant. Sortons d'ici. Je détecte une diminution de la température. Ambiante a augmenté de 13 degrés depuis l'activation du caveau. La dispersion de la couverture nuageuse permettra la réception d'énergie solaire en quantité importante. On peut s'installer ici maintenant. Confirmé. Félicitations, pionnière. Nous en avions bien besoin et vous avez relevé le défi. On leur donnera notre Madame la directrice, vous ne venez même pas en personne ? L'établissement d'un nouvel avant-poste, ce n'est pas rien. Non, je vous remercie. Je préfère la climatisation à ces extrêmes. Je vais être franche, pionnière. J'ai déjà le gouverneur Shai sur le dos à cause de cet avant-poste. Une chance que les Angara d'ici nous soutiennent. Est-ce bien le cas ? Vous avez déjà fait beaucoup pour nous, mais nous ne pouvons pas nous permettre de mauvaises relations de voisinage. J'ai suivi la procédure, étant donné qu'elle est de moi. Soyez rassurés, ils nous ont invités à rester. Bien. Nous devons mettre toutes les chances de notre côté, surtout depuis la découverte de ce complexe Kert. Aussi froide soit-elle,
Völd fait pencher la balance en notre faveur. Mais l'initiative a besoin de plus d'avant-postes. Nous sommes loin d'en avoir fini, bien entendu. Survivre demande un investissement sur le très long terme. Et il nous reste encore une formalité à couvrir. Un discours pour les archives. C'est vraiment le moment ? Les pionniers sont des symboles, tout comme les drapeaux d'avant-poste dans la zone commune. Les gens ont besoin de savoir ce qu'il se passe sur le terrain. Expliquez-leur, pionnières. Que représente tout ceci ? Nous avons bâti quelque chose ici. Plus que les chiffres, c'est la viabilité qui importe. Völd est le résultat d'une alliance entre les Angara et l'Initiative. Par nos forces combinées, nous progresserons mutuellement. C'est enregistré, pionnière. Terminé. Vérification environnementale. Les températures sont dans les paramètres acceptables. Envoyez quelqu'un au camp de la Résistance. On leur... Ravi de vous rencontrer, pionnière. Priya Blake, capitaine de l'avant-poste de Taher Uni. Je suis contente que vous soyez là. Je pensais qu'on devrait gérer ça tout seul. Quel est le problème ? Ce sont les cartes ? Non. Enfin, je ne crois pas. Quelques-uns de mes foreurs ont disparu lors d'une expédition de recherche à l'ouest d'ici. On a essayé de les contacter, mais on ne reçoit que des grésillements. Vous savez où ils allaient ? Je connais l'itinéraire, mais on a perdu leur signal à mi-chemin. Je ne sais pas jusqu'où ils sont allés. On a essayé de consulter leurs notes de recherche, mais les données sont corrompues. On n'a aucune piste. J'étais censé protéger ces gens. J'ai déjà échoué dans ma mission. Ne perdez pas espoir. Je vais retrouver vos hommes. Puisque ça vient de vous, je suis obligé d'y croire. Leur journal de recherche est dans le labo. Votre IA pourra peut-être reconstituer les données corrompues et obtenir des coordonnées. On revendique un territoire, mais qu'est-ce que l'initiative attend de Völd ? Regardez le paysage. Qu'est-ce que vous voyez ? De la glace. Beaucoup de glace. De l'eau. Völd est une immense source d'eau intarissable. On est fiers d'être les premiers fournisseurs de glace de l'initiative. On extrait la glace ici et on l'envoie aux colonies qui manquent d'eau. Comeos. Même le Nexus. Plus on réveillera de gens, plus on aura besoin de ressources. Nos fournisseurs de glace veillent à ce que l'eau ne soit jamais un problème. Vous avez choisi un drôle de nom pour cet avant-poste. C'est du Shelesh, la langue des Angara. Ça veut dire « avancer ensemble ». Ça représente les liens qu'on a noués avec les Angara de Völd. Ravi de voir que vous collaborez. C'est leur planète. Grâce à vous, ils nous font suffisamment confiance pour nous accorder une place dessus. Maintenant, c'est à moi de consolider ce lien. On fera de notre mieux pour se montrer digne de ce qu'ils nous ont donné. Vous étiez dans l'Alliance, vous aussi ? J'étais officier de l'Alliance pendant 10 ans, jusqu'à ce que j'en ai marre de n'être qu'un pion dans les jeux de pouvoir du Conseil. J'ai entendu parler de l'initiative et je me suis dit que ce serait un nouveau départ, l'occasion de faire vraiment bouger les choses. Est-ce que l'Alliance vous manque, parfois ? Si c'était à refaire, je prendrais exactement la même décision. Mais quand je vois la Résistance lutter contre les Kert, je me demande si mes jours de soldat sont vraiment terminés. Je dois dire que ça m'étonne que les Angara nous aient laissé installer un avant-poste ici. Une partie de la glace qu'on extrait est envoyée à leur forceur de blocus, qui la porte aux bases de la Résistance dans tout le secteur. De l'eau pour leurs soldats. Ça fait plaisir de participer à la lutte contre les Kert, même de façon minime. Je dois y aller. Revenez si vous avez besoin de quoi que ce soit. Ok, j'en ai un pour toi. D'ici à Eladen, 3h et 42 minutes. Pas mal. J'ai donc l'honneur de rencontrer la pionnière qui a permis la création de cet endroit. Je m'appelle Lysanna Telesso. Grâce à vous, j'ai le meilleur boulot de toute la galaxie. C'est-à-dire ? Je suis fournisseuse de glace. Ça me donne l'occasion d'esquiver le fléau et de semer les cartes pour apporter de l'eau aux colonies. Y a rien de plus palpitant que ça. Affronter le danger pour améliorer la vie de tout le monde, ça ne m'étonne pas que ça vous plaise. Dit comme ça, votre boulot est un peu pareil. Qu'est-ce qui vous a poussé à choisir ce boulot ? J'étais pilote dans la flotte de la Citadelle, mais j'ai fini par trouver ça barbant et j'ai eu envie de changer. L'initiative avait l'air dans mes cordes. J'ai été l'une des premières à m'engager.
Mais comment vous vous êtes retrouvée dans cet avant-poste ? J'ai demandé. J'ai déboulé dans le bureau de Priya et je lui ai expliqué qu'elle ne trouverait pas de meilleur pilote que moi. Je lui ai dit que ça m'était égal que l'avant-poste soit rempli d'anciens membres de l'Alliance. Je voulais en faire partie. Et depuis, je lui en fais baver tous les jours. Donc, vous extrayez la glace pour en faire une source d'eau. C'est bien vu. J'apporte des blocs de glace au Nexus, sur Eos. Je suis même allée jusqu'à Avarl pour les Angara. D'ailleurs, on aurait dit que des ennuis se tramaient quand j'ai atterri. Les Angara étaient sur les nerfs. Vous devriez peut-être aller voir. J'ai déjà traversé le fléau. Pas facile du tout. C'est tout l'intérêt. Je dois me montrer plus maligne que lui en changeant d'itinéraire à chaque fois pour l'éviter. J'ai failli passer quelques fois quand il a grillé mon système de navigation. Une fois, j'ai dû voler à l'aveuglette jusqu'au Nexus. Vous me faites marcher. C'est pas pour rien que j'étais le meilleur pilote de la Citadelle. Soyez prudente. Ça n'a aucun intérêt. Les foreurs doivent creuser. Pionnière, bienvenue sur la splendide Vold. J'espère que vous appréciez la vue. À l'est, de la glace. À l'ouest, encore de la glace. Au moins, vous n'êtes plus en cryo, c'est déjà ça. J'en suis pas si sûr. Regardez autour de vous. Mais je suis prêt à supporter cet enfer de glace si ça me permet de mener à bien mes recherches. Vous savez, c'était encore pire avant que j'active le caveau. C'est ce qu'on m'a dit. Je suis content d'avoir manqué ça. Je me demande à quoi ressemblera cet endroit dans 10 ans, quand le caveau aura vraiment eu le temps de faire effet. Vous croyez que Vold sera à votre goût ? Je ne demande qu'une plage et un taux d'ensoleillement raisonnable. Mais on verra bien. Sur quoi portent vos recherches ? J'étudie l'exploitation de l'activité géothermique comme source d'énergie. Croyez-le ou non, sous la surface de Vold se trouve un labyrinthe de soupapes géothermiques chaudes. Sans elles, la planète serait complètement inhabitable. Ce serait bien pire encore. Et vous pouvez vous en servir comme source d'énergie ? C'est ce qu'on espère. Il paraît que les Angara font quelque chose de semblable, mais ils ne me laissent pas m'en approcher. Donc, je suis déterminé à trouver la solution tout seul. Je n'ai besoin de rien pour l'instant. Tâchez de ne pas mourir de froid. Un datapad dans les environs. Axul, quelqu'un que je devrais connaître ? Cette conversation attendra un moment plus propice. Pionnière, j'ai informé Olisk que le site de largage était sécurisé. Bien. La résistance devrait pouvoir être approvisionnée maintenant.
Forer disparu. Il faut qu'on trouve qui a fait ça. Voyons si on trouve l'équipe de Priya. En voilà un qui mérite bien son nom. Je détecte une température normale, pionnière. Les pattes.
un froid extrême, Pionnière. Attaquez ces pattes.
détecte un froid extrême du verre. Dire à Priya ce qui s'est passé ici. Pionnière, mes éclaireurs m'ont dit que vous avez eu des problèmes avec l'architecte. J'ai perdu des gens bien à cause de ce monstre, des foreurs partis en expédition. Je l'ai calmé. Vous n'aurez plus d'ennui avec lui. J'aurais dû le savoir dès le départ. J'étais censée protéger ces scientifiques. Au moins, je sais que le reste de mes hommes est en sécurité grâce à vous. J'ai retrouvé vos foreurs disparus. Ils n'ont pas survécu. J'enverrai une équipe récupérer les corps. Ils méritent des funérailles dignes de ce nom. Et merci, pionnière. Je dois y aller. Revenez si vous avez besoin de quoi que ce soit.